Nous avons par ailleurs, en plus de ce cessez-le-feu unilatéral, déclaré, nous avons libéré plusieurs prisonniers qui ont servi dans les supplétifs de l'armée mauritanienne contre le Front Polisario et contre les combattants sahraouis. Eh bien, je dois vous dire que d'abord, nous attendions toujours des actes concrets de la part de la Mauritanie. Nous avons prouvé notre volonté de paix. Il faut que les autres parties le fassent aussi. En plus, je vous rappelle que ce cessez-le-feu et tous ces gestes sont un sacrifice immense pour le peuple sahraoui, puisque c'est lui l'agressé, puisque c'est son territoire qui est occupé et c'est lui qui attend des gestes. Ce n'est pas l'inverse. Mais de toute façon, nous avons fait preuve de patience et d'une volonté profonde de paix qu'il appartient à tous ceux qui veulent la paix dans cette région du monde de saisir et d'agir pour en profiter.